Salut tout le monde, c'est Vapo. Dans un premier temps, je veux m'excuser auprès des gens qui ont participé au concours pour les liquides. J'ai eu pas mal de soucis personnels et il a fallu que je les règle avant de pouvoir revenir en bonne forme. J'ai eu aussi les vacances, donc ça a compté aussi. Donc là, le concours a duré un mois, un petit peu plus d'un mois. Il est temps maintenant, je pense, pour tout le monde, pour tous les participants. Et mon Dieu, vous avez été nombreux, mon Dieu, vous avez été nombreux, c'est super génial. Merci d'ailleurs d'avance pour votre participation, c'est super cool. Il est temps de faire le tirage au sort. Je vais prendre ma caméra, je vais la tourner vers mon écran et on va faire le tirage au sort du random.org. Alors, je vais le faire d'une façon simple. Parce que ce genre de truc, j'y arrive pas. Moi, je sais pas comment vous faites les autres organisateurs de concours pour faire sortir un nom et tout ça. Personnellement, je me suis pas attardé à savoir comment on pouvait faire ça. Je vais le faire à la plus simple. On va rentrer le nombre de participants. On va cliquer et ça me donnera un numéro. Et ce numéro-là correspondra à une personne qui est dans le classement. Voilà. On y va. Je prends la caméra. Hop, voilà. Donc, du coup, on baisse ça. Je rentre le nombre de participants, 154. Je fais générer. Et c'est le 32e participant qui a gagné. Et dans la liste, donc du coup, on va pouvoir voir ici les participants. Et donc, on va compter 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, voilà, 23, pardon, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, et on avait dit que c'était le 32e. Donc le 32e, le voici, by Kev. Donc by Kev, il faudra m'adresser un message sur l'adresse mail que je mettrai de toute façon en ligne avec cette vidéo. Et il faudra bien évidemment me contacter par mail pour me donner ton adresse, ton nom et tout ça, de façon à ce qu'on puisse t'envoyer ça rapidement. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme je faisais avant. Je dis bien, je vais essayer. Ce n'est pas sûr et certain que je puisse y arriver tout le temps, mais je vais essayer de m'y concentrer de façon à vous informer un petit peu des choses. Je rappelle aussi que le 4 octobre, à la boutique ici, à Nort-sur-Erdre, il y a un concours de vape. Alors, je rentre pas dans les polémiques et les gens qui disent que ça fait une mauvaise image de la vape ou des choses comme ça. Chacun voit midi à sa porte. Laissons les gens libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est leur droit. Je ne critique pas non plus. Mais voilà, chacun fait comme il l'entend. Ça va être un concours très sympa. Ça va être un concours de vape libre. On fait comme on l'entend, ça donnera ce genre de choses. Entre autres, bien évidemment, il y a un cadeau à gagner, parce que Vapocite, il y a toujours quelque chose à gagner quand on fait des concours. Ce sera une PS4. Que dire de plus? Bravo au vainqueur, donc by Kev. Surtout, n'hésite pas à me contacter, c'est très important, sinon tu ne pourras pas obtenir ton cadeau, qui sont les liquides. La boîte de liquide, elle est juste là, elle t'attend. Merci encore aux participants, merci à vous de me suivre, merci à vous sur Facebook de me soutenir, de m'apporter vos messages de soutien. J'en ai eu beaucoup, vous avez été nombreux à savoir que j'ai eu pas mal de problèmes. Ce n'est pas des problèmes de santé, je vous rassure, c'est d'autres problèmes. Ça aurait pu être effectivement des problèmes de santé, mais ce n'est pas le cas. J'ai réussi à maîtriser ça. Donc voilà.
Merci, merci, je ne sais que dire de plus. Merci. Continuez à vaper, continuez à soutenir les Deuce et surtout continuez aussi à signer l'EVVI, c'est très important. On arrive très bientôt à l'échéance. On croise les doigts pour pas être mangé à petit feu et aux petits oignons par ces messieurs dames de l'État et de tout ce qui tourne autour. La Commission européenne, de tous les blablas, les blablis, de tout ça. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Ciao.